tout le monde nous regarde. Sandrine et Mika en route vers un nouveau cap. Mes abonnés attendent de nous voir, lui et moi. Qu'est-ce qu'on va trouver pour vous faire rigoler? On va danser. Nouvelle croisière, de Gênes à la Spezia, on prend la mer. Pour vous on fera le tour de la terre entière. Alors maintenant faudrait nous financer, faut pas déconner. Je suis montée, Vlogboat numéro 3 j'ai embarqué. Exo de sécurité on les a fait. En cas de problème on est équipé. On a les bouées, on va se lâcher. Les buffets on va tous les défoncer. Quand je vais rentrer Gauthier il va gueuler. Si notre série te plaît faut partager, faut t'abonner. Salut à tous et bienvenue à Djerba. On va la faire à chaque fois celle-là. Alors là c'est salut à tous et bienvenue à Cannes. Ça va... On peut oui t'en mater. C'est pas ça du tout. C'est salut à tous et bienvenue à Cannes. Et voilà. Bon donc nous sommes à Cannes. Enfin pour l'instant on est sur le bateau, hein, mais à Cannes quand même. On va partir. Ta carte? Elle est là, ma carte. Tu sais, t'as des habitudes de vieux, là. Bon. Non, c'est pas là. Ah non, mais c'est toujours pareil. Bon, mais là, c'est bon, on a compris. Bon, ben voilà, donc là, nous allons petit déjeuner. Et après, ben, on va partir. Donc, on vous emmène. Comme vous êtes gentils. Ça sent l'aspirateur. À Cannes, on est obligé de prendre un petit bateau pour se rendre sur la terre parce que là on est en pleine mer. Regardez, là en fait on est encore en pleine mer et il faut qu'on prenne. Bon, là ce que vous voyez ici c'est un reflet, hein. Mais on n'est pas vraiment sur la terre donc il faut prendre un petit bateau. Bah, on va vous aller voir tout à l'heure. Alors nous avons déjeuné en faisant un petit live. Si vous avez regardé, je sais pas, là on est. Pourquoi tu me pousses? Et non, non. Et donc là, on va prendre la petite navette pour aller. C'est où? Là, à droite. Voilà, pour aller à Cannes. Hein. On doit descendre à pied là? Non? Exit. Ah. Bonjour. Non, questo no. Bonjour. Oui, si, va al 4. Si, grazie. Mais parce qu'en fait, les ascenseurs ne vont pas dans tout, à tous les étages. Ascenseurs ne vont pas tous les ascenseurs vont pas à tous les étages. Oui, j'ai du mal à le dire. Là, les Portugaises m'ont pas bien pensé. C'est pas vrai. Hein, oui. Je parle mieux que toi. Même italien, je t'apprends des mots. C'est toi l'italien. C'est bien. Non, bon, parce qu'en fait hier, on a capté qu'on voyait sous les jupes des filles par le en dessous. Le petit. Le petit pervers. Le petit pervers. J'ai peur de tomber en fait. Alors en fait là on va prendre le bateau mais ça bouge extrêmement. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. Oh, il y a une tête qui dépasse. Donc là vous allez voir en direct si on tombe ou pas quoi. Moi ça va, il y a des gens, il y a au moins 3 gars qui nous aident à monter. Et en fait on vient de manger, hein. On va bégère. Oh là. Alors bonjour. Oh, ça va. Ah oui, c'est ce que je disais. Donc ça va, ça bouge, mais c'est pas, ça fait pas légèrement. C'est court le bateau quand même. Non, pas moi, le bateau il est court. Ah oui, on voit notre bateau en fait, il est là-bas, mais là il fait tout petit. Hein. Je vous le filmerai au retour. En plus là on est à contre-jour, je pense qu'après ça ira mieux. Bah, là c'est moi qui suis. Là c'est bon. Et c'est vraiment long. C'est comment ça? Ouais, en fait, on voit pas, il a la tête hors du bateau, le monsieur là. On est en train de rentrer au port de Cannes. C'est quoi ça? Palais des Festivals. Ah, dans ce sens, il est rond. Ah, mais oui, c'est vrai, puisque moi j'ai dansé de ce côté en fait. Voilà, là vous avez le Palais des Festivals, mais on voit rien, enfin on en est trop loin. On en fera en vrai tout à l'heure. En plus près, je veux dire. On n'a pas besoin de prendre de plan. Non, c'est bon. Bon voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Cannes. Enfin, on essaye en tout cas. Ça sent la clope. Non. Oh regarde, y a les... Et ils ont pigé le truc les mecs. Ah mais je me suis garée là déjà parce que en fait j'ai déjà dansé pour les croisiéristes. Ceux qui arrivent comme ça, ben, comme nous de croisière, ils arrivent sur la croisette là quand ils sortent. Et donc moi j'avais dansé juste là derrière là. On avait fait le French Cancan avec les filles. On s'était changé dans une des salles là, dans une de ces préfabriquées là. Hein? On va voir ce qu'ils ont prévu pour notre accueil nous. S'il y a French Cancan ou... Non, non, normalement c'est là-bas. Hein. Tu vas là-bas et quand tu arrives sur la croisette, pardon, t'as des trucs... Ça c'est pour... Tiens, regarde, pour les îles de Lérins. D'ailleurs, il faudra qu'un jour on se le fasse. Ouais, carrément. Pas aujourd'hui, mais... Ouais, donc en fait, quand moi j'avais dansé là, il y avait un peu des stands et plusieurs trucs. Bon, ouais, tout le long, il y avait des choses en fait. Ouais. Donc, c'était une des et peut-être après nous aussi. Je sais pas, non, on l'a fait deux ou trois ans de suite, je sais plus. Et là, j'ai vu que avant, je bossais aussi avec les galeries La Feuillette de Cannes. On allait danser dans le magasin et la responsable, elle tenait un stand là, de la semaine dernière, je crois. J'ai vu des photos sur Facebook. Et la première année, on s'était changé dans un restaurant qui était par là, je sais plus lequel c'était. D'ailleurs, c'était mieux parce qu'on était. Après, on a dansé juste en face. Et quand j'étais petite, je croyais que ça là, ça ressemble à des selles de vélo. Moi, je croyais qu'il fallait s'asseoir là-dessus. Quand on est petit, on croit des choses. Quand t'es grande, ça s'appelait comment? Une bite d'amarrage. Chien de canoë, je dirais. Il est beau. Tu dis bonjour, bonjour petit chouchou. Il a besoin d'aller chez le coiffeur. Ah bah justement, je trouvais qu'il avait un beau poil. Vous trouvez? Ouais. Ouais, là, il est un peu hirsute. Je sais pas si c'est valable pour les chats ou les chiens seulement. Voilà, en fait on a dansé ici, on avait comme un tapis rouge là, et on se mettait à l'ombre là-bas parce que là en plein cagnard, le matin au mois de juin, comment dire, c'était un peu dur. Et on se mettait à l'ombre là en fait, là où il y a l'ombre de ton yinche, l'ombre de la barrière, et on avait pris des photos ici. Voilà, je vous raconte ma life. L'expression avoir un balai dans le cul prend tout son sens parce qu'en fait Michael il en avait marre de marcher avec sa canne, donc je lui ai trouvé une solution. Vas-y, retourne-toi, montre-nous. Non, bah, c'est derrière qu'elle est en fait. Vous voyez, voilà. Donc on va voir si ça le gêne ou pas. De quoi? De marcher sans la canne ou d'avoir? Non, mais tu la sens pas derrière? Oui, mais j'aime bien. J'aime. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Voilà, et là vous avez le palais des festivals. Un palais des festivals, des palais des festivals. On va vous montrer les marches, les fameuses marches de Cannes. En même temps, c'est un escalier, hein, si vous voulez, c'est pas... Ah ouais, par contre, voilà, venez pas de toute la France pour ça, parce que franchement, vous allez être déçus. Surtout hors festival, quoi. Parce que... Ouais, mais pendant le festival, tu peux pas y aller. Pendant le festival, on peut pas y aller. Si, moi, j'avais été quand j'étais au lycée, comme j'étais en cinéma audiovisuel, j'avais eu une carte et on avait pu y aller. On avait vu quelques films, mais bon... On a vu un film, d'ailleurs, à la Licorne, ouais. C'est là où alors c'est là-bas où les projections sont les meilleures. Hein. Ça putain c'est trop bien. Pardon j'ai dit un gros mot mais parce qu'en fait notre spectacle de fin d'année on va le faire là-bas. Et comme j'aime bien faire des vidéos là, je vais avoir mes vidéos projetées sur un écran de cinéma quoi. Ouais ça c'est beau. Attends, je viens de dire la phrase, je viens de réaliser là. Et là, cool. Il est beau. Regarde. Là, en fait, nous ressemblons à de parfaits touristes. Mais si je filme, c'est pour vous. Hein. Là, vous avez le casino. Bon, c'est marqué en même temps. Et c'est le Palais des Festivals qui est là. Nous allons arriver aux fameuses marches qui sont finalement très moches en fait. Et moi j'ai déjà dansé là, Mika a déjà chanté aussi. Enfin, moi c'était pas au casino, hein. C'était au palais mais derrière. Et là tout le long il y a des empreintes de stars. C'est vrai? Ouais. Bah, ah, t'es vraiment jamais venu à Cannes en fait. Bah si, mais attends, je me souviens pas. Attends, juste un peu, je prends une photo avec les dames. Okay. Okay. Thank you. Ah mais on va les retrouver sur le bateau. Ah mais c'est trop fort. Bah je sais pas. Bon alors ça c'est un truc que je fais très souvent. Regarde les empreintes. Et c'est plus ou moins bien perçu. Oh tu vois. Ah oui. Alors on va vous montrer. Il n'y a pas les tiennes quelque part? Si, mais alors... Pas ici. Vous pensez pas de les mettre? Il y a les mains de Mel Gibson. Mel Gibson. T'en as plein comme ça. T'es parti dans le bus. Ben. Oh regarde Ben comme il a fait, c'est bien. Et c'est pas Ben l'oncle Sol, hein, c'est Ben l'artiste peintre qui est d'ici en fait. Attends, on va voir s'il n'y a pas... Il n'y a pas Sandynamite. Oui, alors Sandynamite, elle a un nouveau paillasson. et sur le paillasson, il y a marqué loge de Sandynamite. Michel Cipoli. T'as vu les patasses hein? Voilà. Alors dites-nous qui c'est. T'arrives à... Robin? Non. Quand Robin, non. Je sais pas, ça a été... C'est là les vraies marches, mais bon c'est pareil, ce ne sont que des escaliers. Et là par contre du coup il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière. Hein. Il y a beaucoup de touristes hein, par contre. Ah bah elle fait... c'est celle qui fait la visite de notre bateau. Voilà. Donc ça c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes sauf que c'est vraiment un peu principal. Sauf que oui mais en plus c'est visible en fait quand on arrive de la croisette. Voilà. Vous savez tout. Maintenant quand même le plus beau c'est plus là-bas la plage quand même. Hein. Mais vous voyez la plage, si vous suivez mes vlogs régulièrement, vous m'avez déjà vu danser sur la plage de Cannes. Bah, c'était quand l'été dernier? Non, l'été dernier, je sais plus. Non on a dansé quand au bijou je sais plus, c'était en cours d'année mais je sais plus quand. Vous voyez la palme d'or là. Ah oui mais c'est l'autre côté ouais. Alors là-bas on voit notre bateau mais on le voit un peu de loin. Enfin nous on le voit bien mais à l'image ça rend tout petit. Voilà notre bateau. Il y a un monsieur sous la douche. Et là je vais pas couper, on voit que tu me poses des questions. Voilà là vous... Vous avez le Carlton à Cannes, il y a le Majestic, enfin je dis à Cannes, il y a le Majestic, il y a plein d'hôtels dans lesquels je descends quand je sais pas quoi faire. Et toujours notre bateau. Mika, il a pécho. Et là vous avez le Majestic. Le Carlton là. Là-bas mais j'ai dit tout à l'heure. Et le Martinez. Fond, Martinez, il est là-bas, le Martinez. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Bon, enfin, à part ça, enfin, bon, c'est sûr, c'est beau. Hein. Mais il n'y a rien de spécial. Les amis, j'ai retrouvé Jack Sparrow. Il était mieux dans le film hein, quand même. Comme chaque fois à la session, je vais y arriver, cabinet essayage, Nous sommes chez Pull & Bear. Et je vais vous faire un striptease intégral. Non, je lol. Par contre, comme j'ai mal au dos, c'est un peu galère pour enlever les chaussures. Ça gratte un peu. Bon, déjà, j'y rentre, c'est pas mal. Ça craque les empiècements comme ça. Le haut, j'aime beaucoup le derrière. Bon, on va aller montrer ça au bal. Ça, c'est clairement, j'aime bien. Ma chérie, ça ne va pas du tout. Hein, parce que depuis le temps qu'on entend parler, vas-y chez nous là. Ah, c'est comment déjà? Ouais, mais comme j'ai pas les vues de la chanson. Bon voilà, c'est pas grave, c'était pour vous savez la chanson, ça m'énerve. Tous ceux qui font la queue. Enfin bon bref. Oh. Normal. Ils sont beaux. Où est-ce qu'on va là? En fait là on cherche un bazar, enfin un magasin pour acheter des Tupperware. Alors, le pour bazar pouvoir mettre les... Il y a peut-être plus. À l'angle. Pour mettre des, voilà, des biscuits dedans. Un Monoprix. Ah mais c'est fait. Eh ben on y va. Mais... Ah mais comme tu veux. C'est pas ça? C'est quoi qu'il y a sinon? C'est quoi là? Ah, Gambetta Droguerie. Gambetta, ouais. Bon, on va voir. Ah, voilà. Mais c'est fermé, il y a la grille devant. On est en plein dans les heures de repas en fait. Et le Monop aussi, non? Non. Non, de 8h à minuit. Non, non, il y a marqué de 8h à minuit. Donc, ouais, donc, tout à l'heure, on va goûter les macarons, parce qu'il paraît qu'ils sont bons. On a pris quoi? Chocolat, caramel, beurre salé. C'est caramel beurre salé, marron. Ouais. Non, on l'a pas pris parce qu'il y avait de l'alcool dedans. Citron, caramel et c'est tout. Mais au prix, enfin bon, ça va, on en a eu pour 12 euros, on a 6 macarons quoi. Donc c'est pas non plus, enfin voilà. Non, moi j'aime bien, la tête de vite. Ah oui, oui. Ah non mais là franchement c'est excellent, j'avais vu. C'est excellent. Halloween. Ah bah oui, le plaisir. Et toi tu te déguises à comment Halloween? Bah en bite, hein, normal. Mais ça vous est venu comment l'idée? Comment? C'est spontané. Ça lui en passe il y a 3 jours, il avait rien à mettre, allez hop. C'est son désir secret. Ils savent pas qui je suis, ils demandent à moi de faire la photo. C'est le du mercredi. Sauf qu'aujourd'hui on est lundi, c'est ballot. Alors attends, il faut que je filme et que je prenne la photo en même temps. C'est ça, mets tout par terre là. Ah mais il y a des gens qui ont pissé. Ils ont pissé mais c'est Cannes quoi. Voilà c'est Cannes. C'est bon, il y a tout le monde. C'est bien parce qu'en fait... Tête de bite, souris un peu s'il te plaît. J'ai des fans mais ils ne connaissent pas encore. Voilà, merci. On a perdu Dark. On a perdu notre hyper là. Bah tiens, bah Dark. J'ai des fans mais ils savent pas qui je suis, c'est ça qui est royal. C'est pour ça qu'ils m'aiment bien pour l'instant. Après on verra. Bon. Alors pour ceux qui sont de notre génération d'une trentaine d'années et hors taxe. Et plus. T'as vu Monsieur qui vient de passer, c'était pas les cheveux gras qu'il avait, je sais pas, c'était tout plaqué, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Bref, ceux qui sont de notre génération, en 95, il y a un film qui est sorti qui s'appelait La cité de la peur avec Dominique Farrugia, comment elle s'appelle, Chantal Lobby, et puis l'autre qui est mort, Alain... Il est pas mort. Ah, le film était déjà mort avant le film. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ils le font jouer dedans, avant. Mais il est mort, ouais. Oh, ouais, bon, du coup, il est pas. Si, il le font apparaître. Et il y a, comment il s'appelle? Il y a Darmon, et c'est la cité de la peur. Bah là où il projette le film, c'est là. Voilà, c'est le mec quand il dit quand je suis content je vomis. Donc allez chercher sur internet les jeunes qui connaissent pas ou les vieux qui connaissent pas La Cité de la Peur. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. En gros là on est en train de faire la queue pour remonter sur le bateau, mais il y a une bonne petite queue. C'est long, file d'attente. Voilà, donc là les petites navettes elles sont là. Et le bateau il est plus loin là-bas mais on le voit pas. Si, on a peur qu'ils nous mangent tout au buffet. Mais on va demander une carte prioritaire parce que... tout le riz. Parce que comme il est un peu bancal et un peu moi aussi, bon moi ça va encore. C'est pas normal. Du coup... Voilà. Tu peux pas parler antisocial en fait là... Antisocial, tu perds, tu sens le bateau, il est là. En fait là ça fout un peu la gerbe. Si ça bouge vraiment, bah, au bout je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais parce que Cannes ou pas Cannes, personne ne laisse passer. Là je suis carrément, vous voyez, au... si je tombe en avant, je rentre à la nage. Bon, je peux rentrer jusqu'à Cannes, c'est pas très loin, mais quand même. Dans la chambre, hein, dans la cabine avec 2B. La cabine. La cabine. Moi je vais aller faire pipi. C'est très bien. Ça intéresse quelqu'un. Moi je remplis, lui il vide. Hein. Chacun son truc. Allez, je crois que je vais couper là. Donc là moi je prends mes médicaments. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Ah mais je l'avais préparé en fait ce matin. Je suis prévoyante en fait. Je savais pas. Voilà. Donc ça, c'est pour midi. Et mon anti-inflammatoire pour le dos. J'avais pas des suppositoires pour les gosses, là. Voilà. J'espère que c'est bien par la bouche que ça se prend, que j'ai bien compris les instructions. Les instructions. Je suis pleine d'eau maintenant. Alors, les cabines comme ça de bateau à déconseiller si vous ne supportez pas votre image, parce qu'en fait vous voyez partout, il y a des miroirs dans tous les coins, c'est-à-dire qu'il y en a un là, 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 enfin tu veux pas te voir, t'es fichu en fait, faut éteindre la lumière ou... parce qu'en plus là il n'y a aucune ouverture sur l'extérieur, donc quand tu éteins. Bon voilà. Allez, on va manger. Voilà, on est au lit, il est 16h. Il est 23h30, on va se coucher. Non, en fait, il est 16h44. On vient de finir de manger le repas de midi. Hein. Puis on a notre petit dessert. La durée. Bon, là, c'est un peu plutôt la purée. Hein. Mais... la purée. Non, en fait, ça va. Ça, c'est juste un poil écrasé. Mais bon, hein, dans le transport. Donc, on va voir si c'est bon. comme tout le monde le dit. Alors, qu'est-ce que tu avais choisi comme parfum? Est-ce que tu t'en rappelles? En fait, on a pris les mêmes, sauf que toi t'as pris pistache, moi j'ai pris chocolat. Ça, on commence par ça. À mon avis, chocolat c'est fort, je vais commencer par citron, sinon je vais pas. Citron, c'est celui-là, le bleu. Ouais. Donc ça, c'est citron caramel. Ou caramel citron. Caramel. Et... merde. Le truc, c'est que comme c'est bleu, c'est bon, hein. On sent vraiment bien les deux, hein. C'est bon. On va pas sourire tout de suite. Alors, ça c'était beurre salé. Caramel beurre salé. Caramel fleur de sel. Ouais. Fleur d'anus. Fleur d'anus de Jean-Pierre. Ah putain, il m'a pas le sac là, faut le lécher. Tu touches pas ma pistache, hein. Touche pas ma pistache. Allez. C'est bon, hein. Là, on sent bien aussi le... Mais je pense que c'est le même caramel qu'il y avait dans l'autre, hein. Mais le mélange au citron... Et... Non. Non. Différent le caramel. Le caramel est plus dur. Ouais. Et donc, vous pouvez les retrouver chez vos... dans vos magasins à la durée pour la modique somme de 2,80, je crois. 2,80 pièces. 2,10. Je sais pas. On en a pris... Ouais, t'as raison, parce qu'on en a pris 6 et on a payé 12... Parce qu'en fait, on a vu aussi, il y avait des belles boîtes avec des chats et tout. Mais c'était cher, quoi. C'était genre 18 € la boîte. Après, bon, c'est beau, mais logiquement, tu payes pas la boîte. Tu payes des biscuits et la boîte, elle est offerte avec. Là, non. Donc, on les a pris avec un petit papier. C'est très bien. Non, puis c'est sucré, quand même. À 2 €, tu peux avoir 10 pains au chocolat d'après... à 20 centimes de chocolat. Pain au chocolat. 15 centimes. 15 Ah, merde. Tu me mets dans la merde. Tu peux avoir 30. Alors toi, le dernier, c'est quoi, chocolat? Moi, j'avais bien aimé ceux de Karine aussi, c'était bon. Ils étaient bons. Bon, ben voilà. Maintenant, on peut faire la sieste. Parce que mine de rien, c'est fatigant, c'est ça. Bon, toi, tu vas à la poubelle maintenant. Elle est là-bas, la poubelle. Non, mais il a son... Tu vas viser. Ah oui. Oh, presque, punaise. Presque. C'est quand il va falloir... Non, non, presque. Bon, ben après... Bon, bah sur ce, on vous laisse parce qu'on a très important à faire, la sieste. Bon ben voilà, en fait on n'a pas du tout refilmé depuis tout à l'heure. On a mangé, on a vu le pestacle et là on va s'installer ce matin, un petit film tranquille, posé sur le lit. Et on va dormir, il est 23h30, donc bon on va regarder un truc tranquille. Et puis demain, alors demain matin... on n'est pas... on descend pas du bateau, on descend à 14 h. Donc en fait on a tenté une expérience, on va tenter le truc. On se fait livrer le petit déj demain dans la chambre à 8h15, 8h30. Comme ça après on peut traîner un peu tranquille au lit et tout, on n'aura pas mangé trop tard. Et après on ira manger vers midi, midi 30 et on descend pour 14 h. Voilà voilà, donc demain matin rien de passionnant. Si on est présentable, on filmera le petit déj, je sais pas du tout... la tronche qu'on aura au réveil, donc on verra si on accepte de se montrer comme ça ou pas. Et ben en attendant, je vous dis à demain.